On se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 29. Je vous recadre. Nous sommes donc le 29 novembre et je viens vous accueillir avec Topaz aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui c'est elle qui me prend toute ma place vitale. La petite tourne autour parce qu'elle sait qu'il n'y a pas la place pour deux, mais dès que Topaz va partir, elle va arriver. C'est la bagarre des genoux. Saphir, elle s'éclate dans les calendriers de l'avant là pour l'instant. Elle est. En fait, j'en ai mis deux par terre et elle est allongée dessus sur le rabat. et en fait, le rabat, du coup, ça fait comme un petit toit en dessous de l'autre. Et ça lui fait comme une petite maison. Et voilà, elle est dans sa petite maison de carton. C'est trop bien. Voilà, Noël, c'est pas que pour nous, c'est aussi pour les minettes. Bon, alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi ça va. Il fait toujours aussi pourri, mais c'est pas grave, on a l'habitude maintenant. Ce que je porte, parce que vous voyez en dessous, là, c'est pas beau ça, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Le principal, c'est de pas avoir froid. Je porte en dessous, donc, mon pull Elanide. Attends, ma chérie, oh, elle a besoin de son deuxième bras. Bon, ben, voilà, d'accord. Donc, je porte mon pull Elanide. Hop. Donc le premier du nom et je le mets pas parce que j'aime pas les rayures grises là. Il y a deux rayures grises et ça fait que je l'aime pas. Donc je le cache. Et en hiver du coup bah, je le mets sous les autres pulls. Histoire de dire qu'il me sert quand même à quelque chose. Mais peut-être qu'un jour je le défrai quand j'aurai assez de... Quand j'aurai assez de pulls en déca et que je remplacerai mes pulls en fingering. Parce qu'en fait, avant je tricotais pas mal de pulls en fingering. Mais je me suis aperçue qu'ici je les mettais pas du tout l'hiver parce que bah trop froid. Et du coup, bah j'ai tricoté quelques pulls en déca, quelques robes aussi en déca. Et je me rends compte que la déca pour l'hiver, c'est bien. Même plus. La déca minimum. Voilà. Et du coup, bah, les pulls en fingering bah, restent au placard et je les porte pas. Et même au printemps, si je peux porter des pulls en fingering au printemps. Sauf que lui, au printemps, bah, je le mets pas, mais vraiment à cause de la couleur. Du coup, quand j'aurai assez de pulls en déca, peut-être que lui, je le déferai. Et avec le gris, par exemple, je referai des chaussettes. Dans des chaussettes, ça me dérange un peu moins. Surtout que là, en ce moment, l'hiver, je mets deux paires de chaussettes. Donc, je me dis que pour la paire de chaussettes cachées, bah, ça ira parfaitement. Voilà. Ensuite, donc, pull Elanide de Audrey Borrego, que j'ai refait en robe après, hein, que vous voyez avec les coloris fluo, les bandes de coloris fluo, je les refais, et le fond bleu, voilà. Donc j'ai tout simplement pris le patron du pull et bah, au lieu de m'arrêter au côtes, j'ai continué tout simplement. J'ai pas tellement de forme en bas au point de dire qu'il faut que je fasse des augmentations et tout, je continue tout droit. S'il est déjà assez large en hauteur, en fait, enfin, sur le haut du corps, je le continue tout droit. Voilà, voilà, pour ce qui est de mon pull Elanide. Et, alors, je l'avais tricoté en reste, hein, c'est un pull de reste. C'est que des restes, que des restes, que des restes. Donc, le gris, je sais pas, c'est un reste de... Ah bah si, non, c'était pas un reste, en fait. C'était un... J'avais eu sur en destache un lot avec cet écheveau là, celui-ci, c'est des laines anglaises et le rouge, j'ai un rouge bordeaux qu'est-ce que j'ai fait avec? Bref, je sais plus ce que j'en ai fait, mais j'avais eu ces 1, 2, 3. C'est 4 coloris, donc j'avais 7 écheveaux, je crois. J'avais un de chaque comme ça. J'avais un gris, un bleu, un bleu.
et j'avais trois rouges, je crois. Et du coup, avec. Alors, c'est de la laine anglaise, je ne sais plus quelle marque. Mais du coup, bah, comme c'est. Alors, les bleus me plaisaient, le bordeaux aussi, mais il y avait le gris qui me dérangeait un peu. Du coup, j'ai tout passé dans le pull là, à part le rouge, parce que bah, j'avais fait un. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis le rouge. Peut-être que s'il y avait du rouge à la place du gris, peut-être je le porterais plus. Mais comme il y avait trois échevaux de rouge, je pense que je voulais bah, le garder pour un pull, tout simplement. Je sais pas ce que j'ai fait avec. Je sais plus. J'arrive pas à me souvenir ce que j'ai fait avec le rouge. Bref, c'est pas grave. Et sinon, le bleu là, celui-ci là, le turquoise là, enfin le bleu tout ciel, c'est un l'énamouré, un reste de l'énamouré que j'avais de mon xyris que j'avais tricoté donc que j'avais testé pour Audrey Borrigo un peu avant le Covid, il me semble, hein, mars, bah, peut-être pendant le Covid. C'est libéré, délivré. En fait, celui-là, je l'avais acheté parce que la base, c'était Gaïa. Et coloris des libérés, délivrés. Donc Gaïa, pour celles qui ne savent pas, c'est le prénom de ma première fille. Et dans le coloris libéré, délivré, j'étais forcément obligée de le prendre. En plus, c'est un bleu, donc j'avais craqué et j'avais fait mon xyris dans les écheveaux de l'énamouré. Et les restes bah, sont passés là. Et j'en ai aussi, j'en ai où des restes? Peut-être dans ma robe Enchanted Mesa. Je sais pas. Mais je sais que j'ai gardé des restes pendant pas mal de temps. Là, j'en ai plus du tout. J'aimerais bien me refaire une quantité pull en déca pour le porter le plus souvent possible. Donc, soit prendre directement une base déca. Soit prendre un alpaga ou je sais pas, et le doubler, ou enfin, à voir. Voilà. Et deuxième pull donc, que je porte, c'est mon Hortensia que j'ai testé pour Marie-Christine Lévesque. Ça va faire 2 ans, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Oui, parce que l'année dernière, j'ai fait les pulls en cadeau à Noël. Donc, ça, c'était Noël d'avant. Je l'ai fait sur ma période de Noël. Donc il va avoir 2 ans. Je l'ai tricoté en plotulopie. Et là du coup c'est pas des restes. J'avais acheté 3 galettes, je crois, de plotulopie. Et en fait il m'en reste. Et c'est pour ça qu'avec j'ai fait quoi avec? Ah ben j'ai fait le marbre, les rayures du marbre aussi avec ce orange. Voilà, donc pour ce que je porte. La construction est vraiment très sympa. Avec la petite patte de boutonnage sur l'épaule. Oui, mais tu me caches sous toi. Hein, toujours. Petite patte de boutonnage sur l'épaule. Des grandes côtes que j'aime beaucoup. Mon seul regret, c'est qu'elles sont assez larges. Enfin, le pull est assez large parce que c'est une forme boxy à épaule tombante. Et du coup, bah, c'est un peu large pour moi. C'est pour ça que je me permets de mettre un deuxième pull en dessous, celui-ci, parce que du coup, ça me tient un peu plus chaud. Voilà. Bon, bah, Saphir va continuer, hein. Moi, je vais aller tricoter, hein. Hein, bébé? Alors, hier, donc, j'ai castonné une nouvelle paire de chaussettes. Mais avant de castonner, j'ai dû choisir un combo. Alors, je vous montre l'étiquette. Donc, j'ai pris un kit de chez Woolbags. C'est le kit du club de juin. Bon, j'arrive pas à remettre l'étiquette, mais j'ai déchiré dessus. C'est le club de juin. Voilà, coloris club de juin. et voilà, donc j'avais 100 grammes plus un mini.
Donc je me suis dit c'est parfait. Je me suis dit c'est parfait pour tricoter les chaussettes de Béatrice. Donc les VV Socks. Alors je vous montre d'abord les coloris. Je vous fais attendre un petit peu, hein. Donc mon coloris principal c'est celui-ci. Alors il y a de la stellina. Ça brille, ça brille, ça brille, c'est trop beau, j'adore. Tu veux des câlins, toi? On n'est pas là pour faire des câlins, tu sais. Donc voilà, coloris. Alors, c'est rose avec des speckles violets, rose, des paillettes. Ça brille, c'est trop beau. En fait, je me demande si c'est rose ou si c'est naturel avec des speckles. Mais je le vois assez rose partout, donc j'aurais tendance à dire qu'il est sur une base rose très pâle. Ou naturel avec plein 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 de speckles roses et quelques violets, peut-être. Et mon contrastant, du violet qui brille aussi. Avec des nuances quand même de rose. Il n'est pas complètement uni ce violet, hein. J'adore, c'est trop trop beau. Je me verrais bien un pull comme ça. Un pull comme ça aussi, hein. Mais quoi que c'est peut-être un peu pâle. Pour moi, je sais pas. Peut-être un peu trop pâle. Pas assez coloré. À voir comment ça va faire tricoter. Mais là, comme ça, à voir le cake. Enfin, le cake. L'œuf. Puisque j'ai fait un œuf. Alors, les deux ensemble, oui, ça va rehausser. Mais tout seul, sur un pull, en plus, il faut beaucoup de quantité et du coup je me dis que peut-être ça fera un peu pâle pour moi, je sais pas, moi j'aime bien ce qui pète, ce qui flash, donc ça j'aime bien par contre, ça un pull oui, pas de souci. Alors vous le voyez trop clair, je me rends compte, il est plus intense, il n'est pas aussi fluo. Je sais pas comment faire. Est-ce que sur saphir, non, ça change rien. Mais il est plus foncé. Ah, tu revois le petit œuf sur la tête. Voilà. Il est plus. Là, vous le voyez lilas, il est plus violet. Ça sature trop les couleurs, on ne voit pas. Non, n'y a pas moyen. Désolée. Et donc, je vous montre. Je regarde parce que j'ai les filles qui s'amusent autour des calendriers de l'Avent. J'ai castonné donc. Parce que si elle s'allonge dans les paquets, voilà la cata. Hop, alors, oulala, ça s'est emmêlé. Donc, on commence par un Turkish Caston. On vient insérer, c'est là, le brin. Alors, il faut faire. Dans le violet, alors c'est marqué dans le violet ou dans enfin dans la deuxième ou la troisième couleur, trois brins d'un peu plus d'un mètre. Il faut découper, faut couper trois brins d'un peu plus d'un mètre. Donc moi j'ai fait dans ce coloris-là, j'ai pas pris une troisième couleur pour venir faire un petit motif là. Voilà. C'est un motif de maille glissée.
Alors, est-ce qu'il va vous le montrer? En plus, j'ai pas encore grand-chose. Voilà, là, vous le voyez bien. Donc là, on prend un brin, deux brins, trois brins. Et avec chacun des brins, en fait, on vient faire cette maille là toute seule. Voilà. Et avec le rose, on fait des côtes à un torse. C'est trop beau, j'adore. Alors là, du coup, le fil est passé devant. Je sais pas si c'est normal ou pas. C'est pas grave. C'est qu'un détail. Au pire, à la fin. Si ça me gêne, je le couperai, puis je viendrai le rentrer et faire un nœud derrière. Mais pour l'instant, voilà ce que ça fait. Alors, j'aime beaucoup l'aspect des côtes. On a l'impression que ça fait un peu brioche, ça fait très gonflant, très... J'aime beaucoup. C'est très joli. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir les reprendre parce qu'il faut que j'installe les calendriers de l'Avent. Et en plus, je commence plus tôt aujourd'hui, donc je sais même pas si j'aurai le temps de finir. Mais bon, on va essayer d'en faire un maximum. Et du coup, je pense pas avoir le temps de les reprendre. Il faut être quand même assez concentré parce que bah, on a ces trois brins là qui. Voilà ce que ça fait. Des petits paquets de nœuds un peu partout. Alors, petit mais assez grand. Assez long pour s'enrouler partout. Hop, voilà. Donc on a nos trois brins. Plus, bah plus le contra le coloris principal et j'ai perdu le contrastant. Voilà. Donc on a tout ça d'accroché et il faut, bah, faut pas s'en mêler parce que bah, déjà quand elle nous dit reprendre le fil 1, ouais, c'est lequel le fil 1? Les trois sont. Donc, faut bien regarder, faut bien. Faut être concentré quand même. C'est pas compliqué parce que c'est des mailles torse, mais faut être assez concentré. Voilà, donc pour l'instant, donc ça, c'est la pointe, hein. Par contre, on démarre pas du tout de façon habituelle. On démarre avec 38 mailles, je crois, pour ma taille. Donc, et on ne fait pas d'augmentation régulière comme d'habitude. Donc, je me laisse porter par le patron. C'est génial aussi. J'aime bien. Voilà, on verra ce que ça donne à la fin. J'espère que je pourrai la porter parce que encore une paire atypique. Et 38 mailles, bah, j'ai aucun repère pour moi là. Du coup, ni le repère des mailles, ni rien du tout. Du coup, j'espère que je vais pouvoir la porter. Bon, si je peux pas la porter, j'aurai au moins le mérite de l'avoir tricotée et de m'être amusée en la tricotant. Donc voilà, pour l'instant, ce que j'ai fait dessus, donc c'est les VV Socks. Puisque ben, avec les côtes torse, on a l'impression que ça part un peu en V comme ça, hop, et puis là, hop, de chaque côté. Le tissu est très joli, j'aime beaucoup. Et je vous dis, il est très moelleux aussi. C'est très agréable à tricoter. Voilà. Hop, ensuite, je suis allée au travail et. J'ai commencé par mon twist and turn. Donc, il a un petit peu avancé pendant la sieste d'Antoine. Je suis arrivée à la fin de la première section de, de chevron. Et donc là maintenant, la prochaine fois que je le reprends, j'attaque les chevrons bicolores. Donc, je vous montre. C'est très très joli. J'aime beaucoup. Pareil, des côtes torses. Mais moi, j'adore les côtes torses. Je sais pas si vous, vous aimez les côtes torses ou pas. Donc là, on fait des espèces de jetés. Des trous. Je pense que c'est pour continuer à monter le petit boudin là. Je pense qu'on va venir le passer toujours ici. Voilà, il y aura bien au bout d'un moment une manip à faire pour le coincer parce que là ça s'en va toujours quoi.
Je sais pas comment on va venir le coincer après. Dans les trous, peut-être. Peut-être comme ça. Continuer à le monter dans les trous. On verra. On verra ce que ça donne. Voilà, bah pour l'instant, donc j'aime beaucoup. Alors c'est très long, hein. J'ai pas fait. On a l'impression que j'ai rien fait. J'ai fait quoi? 4, 8. Arrête! Oh! Ah, toujours à ma taque. C'est pas possible ça, hein? Il t'a fait quoi le petit pompon rose là? Je vous le montre. Il est là. C'est ça qu'elle attaque. Qu'est-ce qu'il t'a fait le petit pompon? Oui, donc j'ai fait 8 rangs. Mais il y a, je sais plus, 300 ou 500 mailles, un truc comme ça. Donc ça, c'est long à faire. Voilà. C'est trop beau, j'adore. J'adore, j'ai hâte de le continuer. Et donc la prochaine fois, ce sera la dernière étape, je pense. Les chevrons bicolores. Et après, c'est terminé, je crois. Je crois. Donc là, j'arrive à la fin de pas mal de projets. C'est cool, je suis contente. Je suis contente, je suis contente. Voilà. Ensuite, ensuite j'ai pris mon Quiscal. Alors, le Quiscal. Il n'est pas fini, mais presque, 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 presque. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai repris la deuxième manche, hein, puisque la première est terminée. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, je suis dans les côtes torses, là. Hop. Mais vu que j'en fais des longues, bah, j'ai pas fini. Il me reste tout ça à faire. Tout ça. Donc là, il y en a encore pour pas loin de 2 heures, je pense. Parce que c'est fin, c'est... Oh, quoique, peut-être 1 heure. 1 heure, ah, allez, 1 heure et demie, peut-être. Il me reste ça. Donc voilà. Et j'ai pas fait que ça. Je vais vous montrer. Je positionne mon marqueur. Hop, voilà. Donc, j'ai repris le vert. Ensuite, je suis passée au côté torse pour faire pareil. Hop, voilà. Mais entre-temps, entre le ouest et celui-ci, j'ai fait mon I-cord. Hop. Ça, c'est pareil, ça m'a pris presque 1 heure et demie à faire. Donc voilà, mon I-cord. Ah bah sur le rose, on le voit mieux. J'ai fait mon I-cord. Donc en bleu comme vous m'aviez dit. Voilà. Et c'est cool. Parce qu'une fois que la manche est finie, et ben il n'y aura plus que les fils à rentrer. Voilà, il sera complètement fini. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est fini. Lui, en vrai, je ne m'arrête pas de tricoter. Même si Antoine est réveillé, tant pis. Hein. Non, je plaisante. Mais en vrai, il y a moyen que je finisse la manche aujourd'hui. Voilà, il ne me reste plus grand-chose. On tient le bon bout. Donc lui, c'est pas la peine de le compter pour les FO de décembre. Il sera fini aujourd'hui. Je l'annonce officiellement le 29 novembre. Voilà. Topaz? Je l'entends qui marche. Je sais pas où elle est. Toi aussi, tu l'entends. Ah, c'est Bella. Ah, Topaz est là. Oh ben, je me suis trompée. Donc voilà pour ce que j'ai fait hier. Est-ce que j'ai quelque chose à vous montrer? Je ne pense pas. J'ai reçu donc les calendriers, mais ça, je vais installer tout ça. Vous avez dû voir que j'ai déjà commencé à changer la disposition derrière pour pouvoir installer les calendriers de l'avant. Donc je pense que je vais mettre du 1 au 17 et le reste je vais mettre tout de suite dans la valise comme ça ce sera fait et puis c'est pas la peine que je perde la place ici
Alors que je vais pas les ouvrir ici, quoi. Autant les ranger directement et les mettre en sécurité parce que j'en connais qui vont peut-être jouer avec les petits paquets. En tout cas, quand elle va monter, elle va tout faire tomber. L'année dernière, déjà, elle le faisait, donc je préfère en sécuriser certains. Voilà. Bon, ben voilà pour aujourd'hui. Non, le tirage au sort, qu'est-ce que je tricote aujourd'hui? À chaque fois, j'oublie. Alors, ce qui serait bien. Qu'est-ce qui serait bien? Finir le blueberry. Oh, ça me ferait deux FO aujourd'hui. Oh, ce serait pas mal. Donc, je vais prendre. Alors, ce matin, je pense que je vais pas tricoter. Mais si je tricote sur la chaussette. Et au travail, donc, je vais prendre mon quiscal. Finir cette manche. Le tirage au sort, je vais prendre aussi pour une petite heure en général. Hein, ce que je tire au sort, ça me dure une petite heure. Mais là, si j'ai fini le quiscal, je vais avoir un peu plus de temps, normalement. Donc, je pense que je prendrai le pinson aussi. Bon, on va voir ce que je tire au sort. Le gogo dynamo, cette fois, faut pas que j'oublie. Eh, je suis très ouest en ce moment, hein. Donc, le gogo dynamo qui va avancer. Donc, je vais prendre mon gogo dynamo et je vais prendre aussi le petit pinson pour les moments zéro cerveau. Parce que si j'ai fini le quiscal et que j'ai plus rien de zéro cerveau pour quand Antoine est réveillé ou ce soir, eh ben au moins j'aurai quelque chose. Voilà. Donc, mon prochain zéro cerveau, je pense, ça va être lui. Lui, ou alors j'ai la manche du Ridari aussi à faire. Oh, je préfère prendre lui comme ça si c'est fini avant Noël. Je donne toi Antoine avant Noël. Il faudra aussi que je reprenne du coup le que je défasse la manche, le début de manche du Pac-Man pour les refaire plus petites. J'ai toujours pas de réponse d'Élise, hein. Donc je vais faire à ma façon. Je vais démonter, je vais remonter moins de mailles et je vais faire des augmentations plus rapidement. Voilà. Bah c'est tout, hein, ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain. Demain, dernier jour de Vlogmas. Non. Dernier jour de Petit Quotidien et avant le Vlogmas, justement. Et j'espère que je vais avoir le temps de tout installer. Il est 9h20. Il me reste 1h30. Ah, ça va être chaud, ça va être chaud. Enfin, je cours. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et un bon tricot ou de belles activités créatives. Ciao!